Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et dans celle-ci on va continuer nos fameuses vidéos à promouvoir. Vous l'avez vu dans la miniature de qui je vais parler, mais je vais vous présenter ça dans quelques instants. Avant toute chose, je voudrais juste vous préciser que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de contenu du dimanche avec des vidéos ou des chaînes à promouvoir. C'est extrêmement simple, il y a une raison très logique à cela, c'est que ben, depuis quelques temps le dimanche vous voyez beaucoup de contenu additionnel se greffer en alternance. Vous avez un tour une histoire qui arrive un dimanche par mois quasiment. Vous avez également des anecdotes sur diverses choses qui arrivent également un dimanche par mois. Ça veut dire que voilà, maintenant le dimanche on a véritablement des contenus qui sont dédiés et les chaînes et les contenus à promouvoir, ben forcément ben, ça va venir en alternance de ces autres contenus là. Voilà, ne vous méprenez pas, c'est pas que j'ai pas envie de promouvoir quoi que ce soit, c'est juste que ben, forcément il y a d'autres contenus qui arrivent. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé, que vous avez des contenus à promouvoir ou que vous avez des chaînes qui sont plutôt sympas, que vous aimeriez que je présente, ben, c'est avec grand plaisir que je le ferai au travers de ces vidéos là. Donc n'hésitez pas à me contacter par le biais de l'adresse mail que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Bref, une fois que ceci est dit, on va basculer sur la chaîne à promouvoir en question. Et avant toute chose, je voudrais également vous préciser que je vais parler d'une chaîne qui est toute fraîche, qui date de janvier 2023, donc elle est véritablement toute jeune et toute fraîche. Et honnêtement, c'est pas forcément à la base le genre de chaîne que j'avais pour objectif de promouvoir. Je vais m'expliquer pourquoi, puisque cette chaîne aujourd'hui a à peu près 1450, quasiment 1500 abonnés, donc elle fonctionne très bien sans moi, elle a vraiment pas besoin de mon coup de main. D'ailleurs, personne n'a besoin de moi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais moi ça me fait plaisir de donner des coups de main à des jeunes créateurs ou des contenus qui sont forcément en manque de visibilité. Et franchement, cette chaîne-là n'a pas véritablement besoin de ça puisqu'elle fonctionne très bien et je suis persuadé qu'avant la fin de l'année, on sera véritablement pas loin des 9000 abonnés, voire 10000 abonnés, compte tenu de la vitesse d'expansion qu'elle a. Toutefois, je voulais absolument en parler parce que je trouve que son contenu est absolument brillantissime. C'est extrêmement bien fait. L'un d'entre vous est venu me voir par le biais de Messenger en me disant « Francky, regarde cette chaîne-là, tu devrais essayer d'en parler parce que c'est véritablement pas mal. » Et je l'ai découvert grâce à lui et grâce à moi peut-être, vous allez également la découvrir et faire en sorte que son compteur d'abonnés explose. Et cette chaîne-là, elle est là, je vous la présente maintenant, il s'agit de Raconte-moi Le Mans, vous voyez, 1490 abonnés. Si, comme beaucoup d'entre vous, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez le sport automobile d'une manière générale, vous êtes plutôt fan ou connaisseur du Mans, je pense que cette chaîne va vous plaire parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de choses qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres sur le Mans. Ce sont des petites vidéos qui sont extrêmement courtes, je vais pas vous les passer parce que franchement ce serait déjà divulgâcher le truc et j'ai pas envie. Je préfère que vous alliez voir directement sur sa chaîne et voir ce qu'il en est, mais allez voir, ce sont des vidéos extrêmement courtes qui durent entre 5 et 6 minutes. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, qui excède les 6 minutes, c'est très très rapide. Alors une vidéo de 7 minutes, attention, c'est un peu long, non, c'est pas vrai, mais c'est véritablement très très bien fait, très bien écrit, très bien monté. Allez voir cela, c'est extrêmement, c'est brillant et c'est bien fait. Et j'avais envie de, voilà, de jeter un petit coup de pouce à cette chaîne-là, qui est franchement de très 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 bonne qualité, de très très bonne facture. Je pense que comme moi, si vous aimez la course automobile en général et les 24 heures du Mans en particulier, allez y jeter un œil. Il y a véritablement de quoi apprendre beaucoup de choses. Des choses que vous ignoriez, que j'ignorais. Et franchement, c'est avec un grand, grand plaisir qu'on pourrait faire ça. À voir. Véritablement à voir. Mon coup de cœur de début 2023, on va dire, sur une chaîne que j'ai vue. Voilà, véritable coup de cœur pour cette chaîne. Allez jeter un petit coup d'œil. C'est véritablement très, très, très bien fait. Voilà, les amis. Je vous trouverai, comme d'habitude, je le précise, c'est très important, le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous plaît. Et je pense, franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Allez, je m'y engage, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Allez, jetez un petit coup d'œil, ça me fera plaisir. Encore une fois, comme je l'ai dit, abonnez-vous à sa chaîne, première chose. Deuxièmement, si vous avez toujours des contenus à me proposer, que vous seriez intéressé pour que je parle d'une chaîne, pas forcément la vôtre en plus, hein, vous pouvez très bien avoir la chaîne d'un ami qui est peut-être un petit peu en galère ou quoi que ce soit. Pas forcément axé d'ailleurs sur le sport automobile. On peut faire tout et n'importe quoi si vous avez une chaîne de cuisine. Ça parce que j'ai un petit peu faim. Bref, si vous avez une chaîne de cuisine ou toute autre chose, n'hésitez pas à me le partager. Ce sera avec grand plaisir que j'en ferai la promotion. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche de Pâques. Pour ceux qui fêtent Pâques et qui sont allés à la chasse aux œufs, profitez-en bien. Demain c'est férié, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir se reposer aussi. En attendant, je vous souhaite donc encore une fois à toutes et à tous un très très bon dimanche. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.